Eh bien salut tout le monde, c'est Sevensy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Easter Eggs sur Red Dead Redemption 2. Et aujourd'hui on se rend à l'ouest de la map pour un petit Easter Egg qui est bien sympathique, bien marrant. Donc pour le trouver, il suffit de vous rendre juste à côté des rails, à l'endroit que je vous montre sur la map. Et une fois en bas de la vallée, vous trouverez dans une grande caisse un gorille empaillé, qui est plutôt joli et qui était destiné sans doute à la vente à de riches personnes, puisqu'à cette époque c'était déjà assez courant d'avoir des animaux empaillés chez soi. On peut cependant se demander comment est-ce que ce gorille est arrivé ici, mais si l'on regarde un tout petit peu plus haut dans la vallée, on aperçoit un rail qui passe, et donc sûrement un train qui a dû se renverser, ou du moins un wagon, et si on remonte tout simplement les débris, ça va nous ramener jusqu'au rail, donc on peut se douter que ça doit être un wagon qui s'est renversé, et que par chance ce gorille a pu tout simplement tomber aussi bas sans s'abîmer. Personnellement, c'est le type d'Easter Egg que j'aime particulièrement puisque c'est assez fun de voir un gorille aux États-Unis. C'est vrai que c'est un animal qui vient normalement d'Afrique et donc c'est assez surprenant quand on tombe dessus. On se demande un petit peu comment est-ce qu'il est arrivé là, etc. Et on cherche vraiment à comprendre comment est-ce qu'il a pu arriver ici. Donc là, c'est sans doute un wagon de train qui s'est renversé. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et si vous voulez être là demain pour le prochain Easter Egg, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Sevensy. Bye.